Bonjour, chers élèves de CE1, prenez-vous votre cahier d'activité et mon cahier d'activité. Page 80. Bonjour, mes chers élèves, vous êtes bienvenus sur votre chaîne GCommunique TV. On va faire quelques activités, correction. Le présent des verbes dire et venir. Alors, le verbe dire, conjugué au présent, on dit je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Et le verbe venir, conjugué au présent, je viens, tu viens, ils viennent, nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, vous allez tout simplement faire des entraînements par écrit pour maîtriser les deux verbes dire et venir. Celui, le verbe conjugué dans la phrase puéroli, celle-ci à l'infinitif correspondant. On a deux verbes ici, dire et venir. Tu dis une poésie, je viens avec mes parents, ils disent souvent des mensonges, vous dites merci, ils ne venons te voir. Alors, les verbes conjugués, c'est dire et venir. Tu dis une poésie, je viens avec mes parents, ils disent souvent des mensonges, vous dites merci, ils ne venons te voir. Alors, dire, tu dis une poésie. Ils disent souvent des mensonges. Vous dites merci. Et pour venir, on dit nous venons te voir. Je viens avec mes parents. Je viens avec mes parents. Nous venons te voir. Alors les deux. Les autres, c'est avec dire. Par exemple, tu dis une poésie. Hein? Tu dis une poésie. Ils disent souvent des mensonges. Vous dites merci. Alors complète avec le pronom personnel qui convient. Nous disons, ils disent avec S, ou elles avec S. Ils viennent avec S, elles viennent, c'est pluriel. Je viens ou tu viens. Vous venez, il dit ou elle dit. Il vient ou elle vient. Je dis ou tu dis. Alors nous disons, ils disent, ils viennent. Je viens, tu viens. Vous venez. Il dit ou elle dit, il vient ou elle vient, je dis ou tu dis. Voilà, ce sont les pronoms personnels convenables, je, tu, il, nous et vous, il avec S et elle avec S. Je, tu, il, nous et vous, il avec S et elle avec S. On remplace le verbe souligner par dire ou venir et écrire la phrase. On remplace le verbe souligner par dire ou venir et écrire la phrase. J'y arrive à midi, elle raconte une histoire, nous rentrons de bonne heure, vous prononcez la formule magique. Tu arrives à midi, elle raconte une histoire, nous rentrons de bonne heure, vous prononcez la formule magique. Alors, tu arrives, on dit tu viens à midi. Nous rentrons de bonne heure, nous venons de bonne heure. Elle raconte une histoire et lit une histoire. Vous prononcez la formule magique, vous dites la formule magique. Vous prononcez la formule magique, ça veut dire vous dites la formule magique. Nous rentrons de bonne heure, ça veut dire nous venons de bonne heure. Elle raconte une histoire, elle lit une histoire. Tu arrives à midi, ça veut dire tu viens à midi. Complète le tableau avec dire ou venir et conjugué au présent pour écrire là avec le pronom personnel proposé. Mon frère vient à l'universitaire de Malik. Je viens à l'anniversaire de Malik. Pardon. Mon frère vient à l'anniversaire de Malik. Mon frère vient à l'anniversaire de Malik. Je viens à l'anniversaire de Malik. Je dis le titre du livre. Ils disent le titre du livre. Tu viens en voiture, vous venez en voiture. Mes parents viennent en voiture. Alors c'est ça. Alors souligne le verbe conjugué dans les phrases, puis relis celle-ci à l'infinitif correspondant. C'est ça. Tu dis une poésie. Ah pardon, c'est ça. C'est ça le verbe dire et le verbe venir au présent. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, je viens de faire la correction des activités pour le présent et des verbes, le présent des verbes dire et venir. Merci pour votre attention.
Au revoir et à la prochaine.